Salut à tous, salut à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'un objet que j'aime beaucoup, un objet petit, très petit, mais qui envoie du lourd. Le micro-terror. Donc c'est la plus petite tête orange hybride à ce jour. Donc en fait, elle suit la philosophie et le design du micro-terror qui est en quelque sorte son grand frère. Donc il est vraiment pas lourd, il fait moins d'un kilo, 0,85 kg me semble-t-il, et en général il est associé au PPC 108, donc idéal pour jouer en appartement à faible volume. Attends, attends, attends. Ça, tu peux le brancher sur un 4x12, c'est-à-dire... En gros, tu as les oreilles qui saignent. Et là, tu pourras bénéficier de toute sa puissance et tu auras un son. Mais un son. En plus de ça, le micro-terror a une configuration hyper simple. Tu as ton volume, la tonne et le gain. Tu fais péter ton bouton et tu déboîtes tout. Donc pour ce qui est des caractéristiques, puissance 20 watts, préampli à lampe, étage de puissance à transistor, et puis on a un poids qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, 0,85 kg. Donc tu vas voir, Jean-Marc, tout à l'heure, va le brancher à un PPC 112, on sent vraiment la chaleur de la lampe, et puis on a un son vraiment qui est très blues, rock, idéal pour jouer du AC/DC, Rolling Stones, Guns N' Roses. Tu peux jouer un peu de métal, à moins d'avoir une putain de bonne pédale. Tu m'en veux pas, je le pose parce que, en fait, ça me saoule. Donc oui, on peut facilement obtenir un son 60-70, un crunch, mais à tomber par terre. Par contre, tu verras, tu ne peux pas mettre le gain à fond avec un volume à plus de 9 heures, sinon tu te fais opérer des tympans. Donc c'est l'ampli idéal pour les petites scènes et pour les répètes. Bon, je vous en dis pas plus et je laisse le micro-terror vous faire ses preuves. Passons maintenant au rapport qualité-prix. Donc il fait 149 € en gros. Donc moi je l'ai eu en magasin, j'ai vu que c'était à peu près les mêmes prix sur le net, donc les gros sites comme Thomann. Donc 149 € pour ce monstre, pour ce petit monstre, je trouve que c'est que dalle. Donc moi je sais pas ce que t'en penses, dis-le-moi dans les commentaires, mais franchement, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. En tout cas, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Moi, ça a été un gros plaisir. Et puis, si vous avez des questions sur mon matos, sur le micro-terror, n'hésitez surtout pas à les poser. Et puis, comme d'habitude, à liker, à partager la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!